Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Cette vidéo concerne la vidéo du week-end du 27 et 28 mars 2021. Pour cela, trois tas au choix. Vous avez le petit, le normand, de mémoire, il s'appelle... un trou de mémoire. The Sweetness of le Normand. Voilà que ce sera voilà, The Sweetness of le Normand. Vous avez l'oracle de Bénin que vous connaissez et l'œil de Lotus. Je vous laisse choisir le jeu qui vous parle le plus et nous allons voir ce que vous réserve ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah écoutez, c'est un week-end peut-être placé sous la connaissance, donc peut-être à une forme d'apprentissage, peut-être de lecture. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes, peut-être pour un, une, comment on appelle ça, une, oh, comment on appelle ça déjà, une formation par exemple, et quelque chose qui va être couronné de succès. Donc on sent bien que vous allez vers quelque chose, vous allez prendre une direction que dont vous allez suivre votre intuition, une intuition qui va porter ses fruits. Alors méfiez-vous des personnes qui voudront peut-être vous en faire changer d'avis. Suivez plutôt votre intuition. Les gens, quand ils voient que vous prenez la bonne direction, ils ne vont pas nécessairement venir vous dire que c'est bien. Donc attention, là il y a vraiment quelque chose à faire, donc écoutez-vous pour que le meilleur arrive pour vous. C'est vraiment ce que je vous souhaite le plus. Allez, on continue pour ceux et celles qui ont choisi le l'oracle de Béline. Je vais y arriver. Ah bah écoutez, la renommée, l'élévation, c'est le succès, mais alors puissance 10 000 qui va arriver avec un peu de retard. Alors peut-être qu'effectivement vous aviez prévu que certaines choses devaient arriver, mais voilà, on vous dit avec un peu de retard. Ce n'est juste que du retard, ce n'est pas de l'annulation, ça va arriver. Et puis on voit quand même que vous allez être très heureux, hein. On sent qu'il y a des échanges, on sent qu'il y a des choses nouvelles qui viennent à vous. Donc je dirais que c'est vraiment qu'un léger retard, je parle même pas d'un long retard, mais juste un léger retard, peut-être d'une journée ou de 48 heures grand maximum, mais rien de bien extraordinaire, quelque chose qui va vous apporter en tous les cas un plus, beaucoup de succès durant ce week-end. Et je termine par ceux et celles qui avaient choisi l'œil de Lotus. Alors, on parle de guérison, de transformation et de prudence. Alors, on voit que vous êtes en train de prendre, je dirais, le large. C'est comme ça que je le ressentirais, en train de vous grandir. Alors j'ai envie de vous dire d'aller pas trop vite, hein, dans cet éveil. Ne foncez pas tête baissée. Il y a encore des choses peut-être que sur lesquelles vous devez travailler. En tous les cas, cela reste de un bon aspect, puisqu'on a cette transformation, cette chose qui va vous apporter réellement un plus. Donc accueillez-le. Et puis on est bien à la fin d'un cycle, hein, donc c'est bien ce que je ressens. Donc on vous demande effectivement peut-être la coupe avec des liens karmiques familiales, hein, peut-être des dettes karmiques. En tous les cas, une période, on va dire, où vous pourriez avoir ce que j'appelle une crise à l'âme, c'est-à-dire des hauts et des bas, vous sentir bien puis vous sentir pas bien. Voilà, des états d'âme qui sont en dents de scie, parce que vous allez être secoué par ces changements, on va dire, liés à votre karma et qui vont vous faire, on va dire, bondir dans tous les sens. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bon week-end. À bientôt. Au revoir.